Mezzo présente l'opéra de l'année. 12 grandes scènes lyriques. 12 productions incontournables des 12 derniers mois. L'opéra de l'année, c'est vous qui votez. Boris Godounov de Moussorgski. Crime et châtiment au Kremlin. Temps difficile pour la Russie. L'usurpateur Boris Godounov a atteint le pouvoir suprême. Mais c'est un pouvoir taché de sang. Pour s'emparer du trône, le nouveau tsar a commis un crime qui le hante. Un nouvel usurpateur va lui contester sa légitimité et menacer son empire. Mais ce sont surtout les remords qui vont creuser la tombe de Boris. Composé dans la Russie en pleine ébullition de la fin du 19e siècle, le chef-d'œuvre de Modeste Moussorgski n'a rien perdu de son actualité. Sa musique poignante, hallucinée et grandiose sonne aujourd'hui plus actuelle que jamais. Son intrigue est le plus noir des thrillers. Porté par le souffle épique de Valéry Gergiev, l'opéra russe par excellence revient sur la scène de sa création dans une production de Graham Vick qui fera date. Les boyards portent costumes et cravates, les matraques ont pris la place des épées, mais toute la noirceur de la tragédie du pouvoir est là. Les excès des nouveaux riches, les machinations des apparatchiks, le pouvoir des mafias, la soumission des masses, c'est un tableau apocalyptique de notre monde. Pour donner vie à cette foule de personnages, les chanteurs et le chœur du Mariinsky se surpassent. Et Yevgeny Nikitin incarne un Boris d'une grandeur shakespearienne. Boris Godounov au Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le grand opéra russe est de retour. Jusqu'au 7 décembre, découvrez les 12 opéras de la sélection sur mezzo.tv. Votez pour celui que vous voulez revoir et gagnez des places d'opéra et des DVD. Mezzo, l'opéra de l'année, c'est vous qui votez.